pas durer, je vais vous faire souffrir un peu seulement. Aujourd'hui, je ne travaille pas. C'est un jour férié pour moi. Donc, je m'excuse. Je vais m'arrêter un peu, puis je vais retourner. Ah, monsieur l'appareil. Bonjour. Grand frère, photographe. Pardon, je sais que l'appareil investit beaucoup. Tu vas prendre ça pour lui donner. Voilà, pardon, il faut lui donner ça. Donne ça au parrain, c'est lui qui est en blanche là. Si tu t'amuses, va donner au parrain. Je sais de quoi je m'en parle. Voilà mon parrain. Tu as pris. Tu es sans rien penser. Qui t'a donné ça? Regarde comment mon cœur baffe. Il t'a donné ça là. Il pensait à rien encore. C'est dur, mais il faut prendre. C'est mon transport, il t'a donné comme ça. Moi-même, il est merci pour battre à pied. Quand il t'a donné, il ne pensait à rien même encore. Il faut prendre. Voilà. À cause de Dieu, il faut prendre mon argent là. Il faut garder mon argent. C'est vous les témoins de moi, non? Hein? Arrêtez, il faut garder mon argent seulement. Il faut prendre. Voilà, j'avais bon cœur, il t'a donné ça. Tu n'as qu'à rester avec toi. Tous les jours que tu as dépensé, ça passe à moi. Pourquoi tu peux faire ça? Tu n'as pas beaucoup. Tu donnes. Homme de peu de foi, vous va voir ce qui va se passer. Ce n'est pas dans une terre aride que c'est semé, c'est dans une terre où il pleut beaucoup. Vous va voir ça a poussé ici. Maman, mais j'ai dit ça, mais je doute un peu. Regarde, je ne voulais pas travailler aujourd'hui même. Mais à cause du parrain, je vais travailler un peu. Maintenant, mais je suis encore de... Ou c'est parce que j'ai traversé la rivera. On dit que l'habitude est une seconde nature. Et puis ça sort naturellement comme ça. Je force même pas. Moi-même, c'est pas la peine. En tout cas, maintenant là, je... Hé, photographe, fais ton boulot. Tu n'es pas un coursier. Monsieur le parrain, je t'ai donné ça sans rien penser. Toi, mais tu n'as même pas changé, même. Tu es resté toujours le même. Regarde. Tu fais rire les gens comme ça. Je n'ai même pas envie de rire, je vais rire. Bon, pour toi, je vais travailler. Sinon, c'était férié pour moi. Mais pour toi et puis tout le monde, tous ceux que tu as invités, et toi aussi, tu as invité beaucoup d'hommes. De... Heureusement qu'on n'a pas pu le parler ce soir. Sinon, toi et moi, on se connaît. On s'est croisés un jour d'un mariage. Tu étais en bas, Yopougo. Tu aimes faire beaucoup emporter, toi. Alors, voilà. Tu te promets avec serviette. Voilà ça. Si vous croyez que je m'enlève ta main, il ne peut pas. On se connaît. À cause de vos parents, je vais travailler un peu. Voilà. Ce qu'il a fait là, c'est plus que beaucoup. Je vais travailler un peu. Tu sais, maintenant là, j'habite à la Rivera 2. Avant, j'étais dans un quartier précaire. Oh, regarde-moi ce nom. Regarde comment ça me donne cher d'ampoule. Quartier précaire. Regarde-moi des choses comme ça. Je suis maintenant. S'il vous plaît, j'ai la parole. Vous n'avez pas payé beaucoup. Donc, riez doucement. Le parrain qui a payé tout. Parrain, ris. Il dit parrain, ris. Vous, ris. Vous, c'est pas ce qu'on appelle temps mort. Donc, j'habite maintenant à la Rivera 2. Où il y avait ancien intention totale là. Intention totale, où on va prendre essence là. Intention totale. Là-bas, à la Rivera 2, on ne casse pas les maisons, on les déplace. Donc, ils sont déplacés, les intentions là, pour construire un rond-point.
Moi, je suis voyageur, j'ai fait beaucoup de voyages. Donc, dans les voyages que je suis fait, là-bas, les ronds-points, ça prend 20 voitures. Mais ce que nous, on a ici, c'est 2 voitures. Et à partir de 16 heures, jusqu'à tel moment où je vous parle, il y a embouteillage. C'est une femme policier qui crée embouteillage là. Elle seule, elle a 4 pistolets. Et c'est elle qui gère la circulation. Bon, enfin, elle a 4 pistolets. Bon, enfin. Elle a son pistolet normal que Dieu lui a donné là. Elle a ça. Au pire, ils ont mis 2 pistolets dedans. Donc, quand elle est comme ça, vous qui êtes devant et derrière elle, vous êtes au feu rouge. Et ceux qui sont comme ça, c'est eux qui ont le droit de passer. Donc, quand elle fait ça, toi qui es derrière ou bien devant elle là, c'est pas le feu que tu regardes. C'est le mouvement du feu là que toi tu regardes. C'est le seul feu où tu es dedans, puis tu es content de durer. Comme ça. Donc, elle était là comme ça, elle est venue comme ça. Moi j'étais derrière ici. J'étais dans le feu rouge derrière. Le feu a 2 faces. Moi j'étais derrière ici. Donc, quand elle est venue comme ça, je suis au vert. Je dois passer. Je dois faire. Je prends tout mon temps. À l'auto-école, on nous a dit que quand un feu devient vert, prends ton temps et circule. Sinon, il y a un chauffeur de Baratampiri là, il va rentrer dans toi en même temps. Donc, je prends mon temps et puis je circule. Le père, tu en sais de quoi je m'en parle. Je prends mon temps et puis je circule. La femme, déjà, ça l'énerve. Elle fait... Donc, je prends mon temps et puis elle vient pour moi. Elle dit, hey, toi là, tu ne vois pas embouteiller ce que tu crées là. Oh, pendant le temps, entre moi et la prochaine voiture, il y a 10 mètres. Parce que lui aussi, il attend le tour de son feu rouge. C'est dans ce feu-là, quand il est dedans, là, quand ça s'allume vert, c'est une voiture qui passe. Chacun attend le tour de son feu rouge. Elle travaille de... C'est à cause de ça, il y a embouteillage de 16h jusqu'à 22h. Elle travaille de... Donc quand elle est venue vers moi, je dis, attends, dis-toi aussi, comment moi j'ai créé embouteillage. Elle a la voiture qui est derrière moi. Elle dit, ah, je te parle, puis tu oses répondre. Donne-moi tes pièces. Je prends mes pièces, je lui donne. Mon maman m'a dit, respecte les gens. J'en respecte. J'ai pris, je lui ai donné. Elle regarde aussi, elle dit, tu t'appelles comment? Je donne mon nom. Elle dit, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis comédien. Elle dit, regarde-moi des bêtises. Toi, tu es comme ça, tu peux être comédien. On connaît les grands comédiens de Côte d'Ivoire, on connaît les Nuc Finesse, on connaît la Adrien Coutrouan, tout ça. Toi, si tu es comédien, là, joue ton comédien là, je vais voir. Je dis, tanti, pardon, je ne suis pas comédien de tiens, j'ai trompé. Je suis gynécologue. Elle dit, oh, c'est ça, il faut dire. Mais elle ne peut pas dire si tu es gynécologue, il faut faire un peu, je vais voir. En tout cas, c'est elle dit là, je vois la gynécologue là, là. C'est le rêve de tout le monde derrière moi. Mais dans mon waré, dans mon waré, waré là. Dans mon waré, waré, mon voisin. Mon voisin. Lui qui habite en face, près de moi, c'est mon quoi? Voilà, pour moi. Lui avec moi, on s'appelle vase. Quand il sort matin, quoi, il dit vase, c'est en coma. Mais mon voisin là, il ne connaît pas Dieu. Depuis qu'il est né, jour, il ne connaît pas Dieu. Quand il vient lui évangéliser là, il prend pour faire palabre avec toi. Tous les quartiers ont tapé pour toi, même les pasteurs, les imams, et tous, ils ont tapé pour toi là-bas. Voilà moi dans mon waré waré là. Je vais, au pire je le vends, je remise. Voilà tout ce que j'ai dit, j'ai dit vase. Voilà tout ce que j'ai vendredi, vase. Le vendredi prochain, il y a veillé dans d'autres églises. Tu vas ou tu ne vas pas. C'est tout ce que j'ai dit. Il dit, toi là, tu connais mon point de vue sur l'affaire de Dieu là, tu n'as pas dedans. Mais à cause de toi, spécialement, je vais. Il dit, ah, c'est pour dire ça là que tu es en train de tourner comme ça là. Il dit, je vais. Le vendredi arrive. Aujourd'hui, il n'a même pas sapé même. Tellement lui avait mon sapé. Jusqu'à pour me bâtir à l'église même là, on prend tout notre temps. C'est un veillé. On prend tout notre temps. On te connaît, on ne te connaît pas, on te salue. Tu as regardé nos sapés. Et puis on arrive à l'église. En tout cas, ce jour-là, le pasteur a prêché. De façon que le pasteur a prêché là. Nous, mais quand on est rentré là, tu es assis comme ça, puis tu es là comme ça. Tellement le pasteur prêche. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'église là. On est là comme ça. Et puis on achète une ampoule. Comme ça. On est là comme ça. Jusqu'à l'église va finir là. Tu es comme ça. Yeah. Oh. Yeah. Arrivé un moment, le pasteur dit bien. Alléluia. Que quelqu'un me donne moi-même. Alléluia. Bien. Vous allez rentrer dans une position de miracle. Le Saint-Esprit va faire des miracles. Que tous ceux et toutes celles qui n'ont pas d'argent ici. Hein? Nous-mêmes là, moi avec mon voisin, on n'avait rien. On a mis notre main dans la poche comme ça.
On avait 2000 francs qu'on a sorti, comme ça, beaucoup d'argent. Donc je viens, je touche mon voisin, je dis, va, c'est ta vie, non? Il dit, moi, mais c'est même pas pourquoi j'ai dit à la maison, c'est comme ça votre affaire d'église là, hein? T'as vu comment l'argent n'est pas bon? L'argent, ça sent. Donc je viens au pays, je fais ça. Après, le pasteur vient. Que tous ceux ici et tous celles ici qui sont paralytiques, paralytes. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire de ben. Nous tous, on a paraté de l'église là. Tout le monde parate. Quand il dit quelque chose, ça arrive à tout le monde. Après encore, le pasteur il vient et puis il fait ça. Et que tous ceux et toutes celles qui n'enfantent pas ici, fantent. Hein? Quand il a dit ça là, nous-mêmes là, tous les garçons qui sont là, parce que quand il dit quelque chose, ça arrive à tout le monde. Nous, tous les garçons, on a fait pour sortir. Imagine-toi, moi, ça va à la maison avec un bébé. Je danse, c'est quel témoignage? Mon femme qui est jaloux comme ça, on a dit c'est quoi? J'ai gagné, c'est où? Hein? Donc, quand on a sorti, et puis quand on est revenu là, toutes les femmes qui sont restées à l'église, elles toutes, elles sont enfantées. N'enfant est versé à l'église comme ça. Quand on est venu, le pasteur fait ça. Alléluia! Que quelqu'un me donne mon amen. Toi, mon fils. Oui, toi. J'ai cru que c'est moi. J'ai dit, pasteur, qui c'est moi? Il dit, non, pas toi, l'autre. En même temps, j'ai cru que c'est mon voisin. Il dit, oui, toi, mon fils. Le Seigneur me dit de te dire que toi, aujourd'hui même, tu vas marcher. On fait quoi? Donc moi, j'ai cru que c'est moi, malentendu. J'ai dit, pasteur, tu dis quoi? Et toi, mon fils, aujourd'hui même, le Seigneur me dit de te dire que toi, aujourd'hui, tu vas marcher. Aïe, va marcher comment? Quelqu'un qui marche disait, va marcher comment? Comment? Donc je vais faire signe au pasteur que mon voisin là, il marche déjà, on est venu en chambre. Donc je fais ça, pasteur, lis là, on est, c'est mon voisin, on est ensemble là-bas. Il marche déjà, va faire ça devant là-bas. C'est quand j'ai dit ça là même là, c'est quand j'ai dit ça, le Saint-Esprit rentre dans le passé. Ainsi parle l'Éternel, aujourd'hui mon fils, je te déclare qu'il va marcher. Hein? Il y a quoi dans lui son marché là, puis le Saint-Esprit fait marcher là comme ça. Donc je dis, pasteur. C'est quand il fait en groupe là, c'est bon, ça prend. Mais lui là, on est ensemble, c'est aujourd'hui, il est venu, il marche. C'est quand j'ai fini de dire ça là encore là, le Saint-Esprit soulève le passé. Il se n'aime mon guise, oriente à chaque qui dit. Oh, qui c'est ça? Oh, et s'il parle, l'Éternel. J'ai dit, hein? Mais on est que l'Éternel va te fatiguer là. Lui-même, il est là. Bon, j'ai dit ça dans mon cœur. Parce que si je dis encore fort là, ça va le prendre encore. Donc il est venu maintenant. Mon voisin même il a commencé à douter. Malgré qu'il a eu l'argent, on a vu les femmes qui ont couché là. Il a commencé à douter. Pour montrer au pasteur que lui aussi il marche là. Il s'est levé au pied, il fait comme ça, un peu comme ça. Le pasteur dit ainsi, parle l'Éternel. Il se n'est mon guise. Aujourd'hui toi, mon fils, tu vas marcher. Oh, Jesus Christ. Il parle pas anglais, hein? Mais où il a parlé. Quand l'église est finie, comme j'ai fait de marcher là, mon voisin, si je voulais partir à la maison, il s'est assis, comme on est venu ensemble, il me respecte, il s'est assis. Quand l'église est finie, il n'a même pas calculé si c'est là, ou bien le passé à là encore, pap, il est sorti, il s'est allé à la maison. Quand il est arrivé au dehors, dans le parking, il voulait prendre son voiture pour aller à la maison, il ne voit pas son voiture. C'est là, il s'est rappelé que le passé lui a dit, oh chérie, tu vas marcher. Ils ont volé son voiture. Il ne peut pas venir demander à passer qui a volé mon voiture. On t'a dit que tu as amassé, tu as fait comme ça, que tu as amassé. Mais c'est de la façon dont on a amassé. On est quitté ici jusqu'à Adjamé. Dans le Walla, il y a église partout. Nous, c'est ici, on est venu faire église. On va amasser pour partir à Adjamé. Quand on voit voiture venir de loin, c'est vide. Mais quand ça arrive près de nous, là, c'est rempli. Où ne quand même dit Yoko. C'est là, chaque fois que je vais expliquer, mon lampe coule. Où ne quand même dit Yoko. Regarde mon maman. Mon maman. Mon merde. On s'est en bon français. Oh. Mon maman. Nous sommes enfants là. On fait tout pour devenir boss. Mon maman, elle fait tout. Faut pas, on va devenir juro. Regarde, un jour, j'étais en train de me promener. Au bout de mon promenage, je ramasse une mallette. Un niveau mallette. Mallette, niveau comme ça. Quand j'ai ouvri dedans, c'est ce que j'ai fait, que j'ai dit. Quand j'ai ouvri dedans, je regarde à l'intérieur. Il y avait 15 millions dedans. Avec des papiers administratifs.
prise. Bon, enfin, des papiers du plateau dedans. Beaucoup de papiers du plateau dedans. Avec un niveau portable. Madame, pardon, hein. Il peut descendre ici. Hein. Oh, Dieu, j'ai l'habitude. Avant là, j'ai grimpé clôture. Voilà, madame. Ce que femme veut, Dieu veut. Vous vous promène. Et dans votre promenage, je peux vous voudroyer. Il y a quoi? Il y a quoi même? On est pas loin de Cocody, il y a quoi? Je vous voudroie. Vous vous promène. Et dans votre promenage, vous ramassez un mallette. À l'intérieur, il y a 15 millions dedans. Avec des papiers à 10 millions. Prive, ruge. Et il n'y a personne autour de vous qui va crier, hé, hé, voleur, dépose. Si c'est vous qui a ramassé, que ferai-je vous? Et pareil, j'ai dit, il faut rire, mais pas comme ça. Oui, allez-y, allez-y, répondons. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est auprès des parents qui disent ça. Et puis, il y a l'armée près de vous. Bon, d'accord. Madame, tu te promènes. Et dans ton promenage, tu ramasses un mallette où à l'intérieur, il y a 15 millions. Si c'est toi qui as ramassé là-haut, que feras-tu? Je ferai ce que tu penses. Très bonne question. Elle fera ce que je pense. Et donc je voulais faire même ce. Et puis il n'y a même pas un mec qui a dit je vais envoyer ça à la police même. Madame dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. En tout cas, vous êtes raison. Ça là, j'envoie pas à la police. T'apprends ça pour aller donner à la police. Eux aussi ils vont dire que j'ai ramassé. Ah, policiers ont dit ils ont braqué. Il y a eu braqueur là-bas, ils sont 5. Policiers, ils s'en vont, ils tuent les 5 voleurs, tous les braqueurs. Mais il y a un qui réussit à s'échapper avec ma lettre là. C'est qui? C'est comme ça. Qui? Il se parle qu'ils sont poussés. Et qui? C'est toi qui as applaudi fort, non? C'est toi qui. On est dans les camps. Comment tu as sorti là? Tu as montré ici. Comme toi, devant toi, ils ont une fois tué les gens là. Grand frère, c'est pas de vous, il parle. Sinon, vous êtes des bons armés. Il est monté ici là, il est monté en pied. Applaudissez enfin les gens. Donc là, quand j'ai pris la mallette, je voulais faire comme madame. Je voulais aller avec à la maison. Mais j'ai ouvert bien pour regarder. Il y avait un niveau portable dedans. Le portable, là seulement, j'ai dit, ça là seulement, je vais l'utiliser. Au moment que je m'apprêtais à utiliser le portable, enlever la puce et puis mettre mon puce dedans, hey! Le portable sonne. C'est le propriétaire de la mallette là qui m'appelle comme ça. J'ai dit allô. Il dit bonjour. C'est vous qui avez ramassé la mallette. À l'intérieur, il y a 15 millions dedans et beaucoup de papiers administratifs. S'il vous plaît, si vous avez ça, puis-tu me le rendre? J'ai dit, hein? Puis disent 15 millions, j'ai ramassé là. C'est son frère qui est derrière comme ça là. Donc, moi aussi, on t'a lancé fort, ça va où t'as tombé. Quand il m'a dit ça là, j'ai dit oui. Oui, c'est moi qui les arge. Alors quand j'ai dit ça, il m'a respecté. Il a vu que je parle français. Il dit, ben, si c'est vous qui les arge, puis-tu me le rendre? Et je vous donne 20% de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mon maman m'a dit, si tu as pris quelque chose qui n'était pas, tu n'es pas, va de nos propriétaires. Je vais, je lui donne. Le monsieur, il a compté les 20% pour me donner. L'argent qu'il a compté là, il a compté l'argent là comme ça. Il a compté l'argent là sûrement. Il le comptait. Il compte l'argent naturellement. Comme c'est pas à toi, il donne là. C'est pourquoi tu dis c'est bon. Sinon, si c'est à toi, il donne là. Tu vas dire, quand manger, mais vomir, te donner ça. C'est pas comme ça, vous, ça. Donc, le monsieur, il a compté l'argent pour me donner. L'argent qu'il a compté, me donner. Voilà, en temps là, comme ça. Oh, c'est vrai, vous êtes responsable. Je vais diminuer un peu, comme ça. C'est bon ici, donc. Il a qu'à diminuer encore. Oh, on va ici. Ici, c'est bon. Donc, mon argent, j'ai pris tout. Je savais donner à mon maman. Quand mon maman a vu beaucoup d'argent, elle dit, hé, Aboukaro, tu as volé encore. Je dis, oh, maman, depuis quand j'ai volé, elle dit, ah, ça peut arriver. Oh. Je dis, mais ah, quelque chose qui peut arriver, c'est pas comme ça. Elle dit, hé, toi là même, là, tu me donnes envie de faire un enfant encore la nuit. Je dis, ah, maman, tu es vieux. Elle dit, hé, devant l'argent, on paie tout. Donc, le lendemain matin, lui, quand j'ai ramassé son mallette, il m'appelle à son bureau, je vais. J'arrive là-bas, puis il me demande, toi, tu fais quoi dans la vie? Je dis, moi, je ramasse mallette. Elle dit, ah, d'accord, installez-vous là. Je suis assis et puis il me dit, regarde à la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Je regarde à la fenêtre, je vois deux voitures, deux 4x4. Il y a une voiture où il y a trois ronds comme ça derrière là. On appelle ça. Hein?
Voilà, Odile. Odile, voilà. Mais Odile, le modèle que j'ai monté dedans, on appelle ça Odile cuit sec. Un gros cuit sec comme ça. J'ai monté dedans. Ce qui me plaît dans les Odile là, c'est le volant. Et puis ça là, on n'allume pas avec quatre, la clé de ces quatre. Volant est léger dedans comme ça. Quand j'ai monté dedans, j'ai damarré. C'est, bon, comme nous, on est anciens du quartier précaire là. Donc, c'est musique là, j'ai mis musique à fond. Tu entends couille, 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 couille. En fait, je mets même musique là à fond. Tu entends couille, couille. Je passe les vitesses. Et puis, je roule la voiture. Le monsieur, tellement j'ai mis musique là à fond là, il est sorti, puis il dit, c'est pour vous, valez avec. Il ne supporte pas bruit. Je sors avec la voiture, je vais au quartier. Mais si j'arrive au quartier, qu'est-ce que j'ai dit, la voiture est climatisée, qui va me croire? J'ai mis climatisé là à fond, et puis j'ai baissé les vitres. Oh, imagine, tu as climatisé au dehors. J'ai fait souffrir la voiture là. Et puis je roule la voiture. J'arrive au quartier. Après seulement, il y a même musique là, fort. J'appuie à la tête, je tourne le volant. J'arrive au quartier. Les filles que j'ai damées si il y a longtemps là. Bon, enfin, elles ont damé si moi il y a longtemps là. Quand elles m'ont vu venir, elles disent, hé, Boukaré, tu es belle, hein? Je ne me suis même pas occupé d'elle, mais j'ai mis les morceaux où on dit, l'argent, voiture, maison. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Elle dit, si tu veux, faut me mettre, mais tu es belle. Oh. Donc, je roule mon voiture. Généralement, nos quartiers précaires, on est sur côte. Et derrière la côte, là, c'est de l'eau. Dans les quartiers, là, quand ils arrivent là-bas, on appelle ça Boribana. C'est-à-dire que la course est terminée. Pour monter la côte, là, il faut appuyer sur la terre à fond. Au moment que je voulais appuyer sur la terre, j'entends dans mon figure, imbécile, là, tu vois quoi avec ta démonstration là? Tu vois pas qu'il fait chaud? Ouais, laisse ça! Ja. Tout ce qu'il est en train de faire, là, je dors. Ah, madame, l'argent que tu voulais prendre pour bâtir, là, quelqu'un laisse, quelqu'un prend, là, faut le laisser. C'est un rêve. Voilà qu'il est en train de tourner là. C'est un rêve, c'est tête de ventilateur là, je lutte avec comme ça. Musique, volume de musique, un peu seulement, il met comme ça là. C'est mon maman, elle dort, elle rough. Donc c'est son nez là qui est dans mon main. Quand il bouge là, c'est bouché. Quand il est là, tu entends. Pour moi là, j'ai mis musique comme ça. Vitesse qu'il est en train de passer là. C'est la tête de mon petit frère, il tête. Donc c'est son tête là qui est dans ma main, il fait couille comme ça. Où j'étais en train de gâter là, c'est la tête de mon grand frère, il dort mal. Quand il dort comme ça, matin, son tête est dans mon pied. Donc c'est son tête là, il appuie comme ça là. Au moment où j'allais gâter maintenant là, c'est là qu'il entend. Imbécile là, les gars, vous n'avez qu'à voir. Même en rêve, mon maman m'empêche de réussir. Est-ce que ça, on peut faire ça à son enfant? Là, est fini comme ça. Laisse-moi une dernière. Une dernière, si tu veux après, il faut me renvoyer. Une dernière. Sou! Il est parti. Si tu veux la chasser, tu dis sou! Donc, les gars, mon grand frère Nathan. Où est-ce qu'il y a? Il est là. D'accord, je s'en vais à la maison. Merci beaucoup. Avec vous tous. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai dit de venir? Voilà quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on te réserve et tu es content. Ah, c'est vrai. Boukaré, j'ai dit que tu es bête. Hein. Mon maman me dit ça tous les jours. Elle dit la seule chose qu'elle ne regrette pas, c'est ses 9 mois. Sinon, tout ce qui suit, elle regrette. Est-ce que tu sais danser? C'est ça que j'essaie de faire souvent. Agabi, il aimait la musique, on va voir. C'est quelle musique? C'est ça là? Tu sais, moi, c'est funk. Hip-hop, là, c'est ça, il danse bien, s'il vous plaît. Tu danses quoi? Hip-hop. Où on dit, yeah, hip-hop. Yo, 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 hip-hop. Ta vie, c'est tout. Merci beaucoup. Mais sinon, on dit hip-hop, hein. Oh, mais c'est les, pas bon, hip-hop. C'est bien, il faut regarder. Yeah, hip-hop. Yo, 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 hip-hop. Faut faire pour toi.